Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et donc, on continue avec la leçon de l'autre jour, mais cette fois-ci avec les boissons. Allez, on y va. L'eau. Ovis. Le thé. Oteo. Le lait. Otei. La limonade. Limonade. Le jus de fruits. Anorangele. Hatta du mulch le tulaj yeah. Donképpen. Oh, mert a fruit az a gyümölcs, az nem a narancs. Yeah. Oké. Okay. Ha narancslé lett volna, akkor hogy lett volna szerinted? Le orange. Le jus d'orange. Le jus d'orange. Mhm. Pontosan, le jus d'orange. És a le café? A kávé. Mhm. Gratulálok, minden tudsz. Voilà, il sait tout. Et vous, vous savez tout? Voilà, je suis revenue du futur, parce que comme vous voyez, avec la DeLorean, je suis revenue du futur, parce que j'ai oublié de vous dire les mots qu'on avait dit dans la vidéo. Il faut que je vous les dise, sinon ça ne va pas. Donc, il y avait avis, oteia, otei, a limonade, a dumolchle, a naranchle, a citromle, a cave. Voilà, je retourne tout de suite dans le futur, vite, avant de dépasser le temps qui m'est imparti. Ciao les gars. Voilà, comme ça vous avez appris quelques mots de hongrois. Pour préciser, cet enfant va nous parler un peu de lui. Hány éves vagy? Én 11 éves vagyok. Il a dit qu'il avait 11 ans. Hány nyelven beszélsz? Hát az attól függ, egy kicsit angolul. Mm-hmm. Mert jártál valahol iskolába? A Magyarországban jártam egy évet iskolába, amikor még 6 éves voltam. Mm-hmm. Hát Magyarországon is jártál iskolába, ugye? Nem, ott nem jártam iskolába. Hát oké, óvodába. Óvodába. Szóval magyarul is beszélsz? Igen, magyarul is beszélek. Ott 6 éves koromig jártam óvodába. Uh-huh. Utána megismertelek téged, és utána mentünk el Írországba. Szóval hány nyelven beszélsz? Magyar, német, egy kicsit angolul is tudok. Nem perfekt mondjuk, és francia is megy. Egy picit, ja, megy. Egy picit. Egy pár szó megy. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Il a dit qu'il parlait un peu anglais parce qu'il a été, comme vous l'aviez vu dans mes vidéos il y a un moment, il a été en Irlande. Donc on a vécu en Irlande pendant un an. Donc ça, il précise qu'il parle un petit peu anglais. Il a beaucoup oublié malheureusement, mais sinon avant il parlait très bien anglais. Enfin, très bien. On s'entend, mais il parlait bien anglais. Enfin, mieux que maintenant en tout cas. Bien sûr, il a été en maternelle, comme il vient de le dire, en Hongrie. Et il parle également donc hongrois, anglais un petit peu, allemand et français, d'après lui. Il parle bien français, c'est ce qu'il dit. Il parlera certainement bien français un jour. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des likes parce que c'est très important pour l'enfant. Il n'arrête pas de regarder tous les jours si vous avez mis des likes aux vidéos dans lesquelles il participe. Et il regarde aussi tous les commentaires. Genre, quand il y a des commentaires en français, il me demande ce que c'est. Donc, mettez des commentaires parce qu'il adore ça. Et puis, comme ça, je lui traduirai, je lui dirai ce que vous avez mis. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Ciao, bye bye. Voilà, je retourne tout de suite dans le futur parce que le présent, là, il...